Les gars, bonjour. Deuxième journée à Hong Kong, toujours sous le grand soleil, sous le grand ciel bleu. Là, je suis en route pour un monastère des 1000 Bouddhas. Du coup, ouais, ça va être un temple avec juste un tas de statues de moines. Ça, c'est juste le chemin qui mène au temple. Enfin, au temple, au monastère, pardon. Oh. Ça fait monter. Non mais moi je sais pas si vous voyez cette montée. Mais c'est hyper désagréable. C'est un bazar. On va prendre les marches. Mais même les marches c'est pas agréable. Les gars, je vais pleurer, ça s'arrête jamais. J'ai pleuré. J'arrive même pas à pleurer. Je crois qu'il y a les proprios du resto là, enfin du resto, il y a deux trucs sur le menu mais qui sont en train de nous encourager. C'est très gentil hein, mais je décès. Je suis pas en train de me foutre de vous hein, on est haut hein. Quelqu'un qui a payé tomber dans l'escalier. Tout va bien. Non, tout va pas bien du tout en fait. Oh là 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 là. Oh. Une fois, je le fais. Ah, on se voit en haut. Allez, on se voit en haut, on va y arriver. C'est marrant, tous les moines sur cette branche-là, ils sont sur des animaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a beaucoup d'animaux là. Bon. Je suppose qu'on est à l'entrée là. J'espère. On y est presque. Ah lui il surfe de ouf. Ah oui maintenant c'est la partie surf. Eux c'est la partie terre avec les rochers. Et eux c'est la partie surf sur l'eau. Vous avez vu les jolies fleurs par contre? C'est bientôt les printemps. J'aime trop les petits arbres en fleurs là. Hong Kong amène de bonnes choses. Hong Kong amène de très bonnes choses. Regardez ça. Wow. Yes. Oh. Ah, Bichette à l'attaque. Bichette en pleine attaque du. Oh Bichette. Ouais, vous voyez, il faut pas laisser de bouffe parce que les singes les rapiquent. Oh, il est là le bébé. Regardez le bébé. Oh, oh bichon. Coucou petit choupi. Oh, il est trop chaud. Il est vraiment trop chaud. Bon, j'ai pas le droit de filmer derrière malheureusement, ou de prendre de photos même. Mais c'est super joli, je sais pas si vous voyez, mais les murs. Des petits bouddhas genre je pense qu'ils sont là les 1000 en fait, c'est juste les petits qui sont quasiment identiques et qui sont sur tous les murs. Et après
après t'as des tout le long t'as des plus gros bouddhas. Et après t'as des installations avec encore d'autres types de bouddhas, là, le carré là. Et c'est trop joli, c'est super joli. Il y a même un endroit spécifique pour les défunts, genre avec leur carte. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Genre leur plaque de nom, quoi. Du coup, voilà. Et après, bah, au milieu, t'as un gros. T'as un plus gros Bouddha, quoi. T'en as même deux, en fait. Voilà. C'est un très joli temple. Et là, il y a encore des Bouddhas. Oh non, c'est peut-être pas des Bouddhas, c'est un temple. Mais je n'ai jamais vu autant de statues dans un même endroit. Ça, c'est sûr. Petit dragon. Oh, il y a un chignon. Ok, stylé. C'est pas juste chignon. Stylé. En vrai, je pense que en termes de groupe préféré, je pense que c'est les surfeurs. Ils sont vraiment super fun, je trouve. Genre, regardez lui là. Et lui, genre lui, il est en train de voler. Je pense que c'est lui mon préf. Je pense que c'est lui, il est trop stylé. J'aime trop. Ils ont de l'humour. Oh lui, oh non, lui il est très stylé. Ah non, je pense que c'est lui. Il est incroyable, lui. La descente est largement plus appréciée. Faut juste que je fasse attention de pas me gameler parce que je pense que j'ai failli me gameler au moins 5 fois depuis le début. Parce que c'est des marches pas très égales. Ça y est, j'ai les genoux qui tremblent. Toutes les marches, en fait, c'est la descente. Regardez, là, il y a une statue qui est attachée. Pour attacher d'autres choses. Et en dessous, il y a encore des statues cachées qui doivent être en sale état, je suppose. Et là, il y a encore le warning de pas donner de la thune à des faux moines. Et oui, du coup, mon genou tremble. Ouais, l'escalier en descente, ça a plus d'impact au final que l'escalier en montée. Bon, on dit au revoir aux moines. Je fais la sortie là. Mais en tout cas, c'était très sympa. Encore une super vue en haut d'une montagne. En plus, j'ai vu des singes. J'ai même pas mis ça sur mes bucket list, mais j'aurais très bien pu parce que, genre, tous les endroits où je suis allée, là, genre à Singapour et à Taïwan, ils disaient qu'il y avait des singes. J'en ai vu zéro. Et là, j'en ai vu 4. Et de très très près. Donc, c'était trop cool. Et là, je sais pas quelle heure il est. Ce soir, il y a un dîner de Nouvel An chinois à l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse qui est super cool. Si vous venez à Hong Kong, je vous conseille forcément d'y aller. Ça s'appelle The Mahjong. Mahjong comme le jeu. Et c'est une auberge de jeunesse hyper stylée. Les gens sont très gentils. Les lits sont top, je trouve. Salles de bain aussi, elles sont méga propres. Et il y a une lounge et ouais, les gens ils sont super sympas. Bah là ce soir du coup ils organisent un dîner de Nouvel An chinois. Donc je vais y aller. Et voilà, il y a des fans de K-drama dedans aussi, donc je suis trop contente. C'est trop cool. Ils mettent des soundtracks de K-drama en fond dans la lounge maintenant, depuis que je suis arrivée. Donc c'est cool. Les gars, est-ce que vous voyez ce sunset qui se reflète sur la montagne? Les gars, il y a tellement de trucs. Apparemment, c'est là le plus traditionnel qu'ils mangent à chaque fois qu'ils se réunissent. Et là-bas, il y a plein de trucs. C'est un buffet. Mais un buffet. C'est trop stylé. Les gars, vraiment, la nourriture ne s'arrête pas. Genre, il y a encore deux plats qui arrivent. Ça va pas les gars.
C'est incroyable. Je pense que j'aurais plus jamais un autre repas comme ça de ma vie. Les gars, on est en plein karaoké. Ce monsieur a dit qu'il chante aussi bien que Andy Lau. Il chante très bien. Oh, oh quel show magnifique. Voilà, c'était une autre journée de fou à Hong Kong. Franchement, de fêter le nouvel an lunaire avec des Hongkongais, c'est incroyable. Franchement, je pense que je revivrai jamais ça de ma vie. Mais vraiment, c'était super chaleureux et super fun, donc j'ai eu trop de chance. Vraiment, hostel, auberge de jeunesse de fou. Il faut y aller. Et voilà. Et le monastère, je crois que c'est plutôt des 10 000 bouddhas que des 1000 bouddhas. Mais on va voir. super beau. Et ouais, franchement, enfin avoir vu des singes. Parce que vraiment, à chaque fois, j'étais déçue à Singapour et à Taïwan. Parce que je me disais que j'allais jamais en voir. Mais au final, j'ai eu Hong Kong amener des choses incroyables dans ma vie. Donc j'étais trop contente. Voilà. C'était trop fun. Voilà, je vous fais plein de bisous. À la prochaine. 还是错。